Welcome!
René de Fontenay, prends la pièce RPG, tu places là. Le général est là. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Calmez-vous. Il y a quoi? Pourquoi vous êtes affolé? Merci à tous, chers frères et sœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir dans tous les quatre coins du monde. Ivoirien, mes frères, Ivoirien, mes sœurs. J'aurais dû appris que le lundi, demain lundi, c'est gâté. J'aurais dû appris que les Ivoiriens vont se lever demain. Ah, hier, il y a fait une vidéo pour vous booster un peu. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Chers frères et sœurs Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis votre humble serviteur, le général Bagbadem. Appelez-moi le gentleman. Voilà. Je suis le général de la CNT, le Conseil national de transition. Chers frères et sœurs, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs, installez-vous car nous avons des choses à dire aux Ivoiriens. Bien avant de rentrer dans le but de mon sujet, bon, dans le direct, je vois un peu ce. Je viens d'arriver, hein, je viens du Luxembourg où je suis allé déposer mon enfant. Bon, on dit à quoi? À Fingessan, c'est rentré, c'est sorti, à Fingessan décidé. J'aimerais vous dire, je vais vous donner la vraie information. Vous savez, il y a des gens qui en profitent si la mort des gens font le belge. Je vous donne la vraie information. Est-ce que vous m'écoutez? Ivoirien, mes frères, Ivoirien, mes soeurs, nous nous sommes donné une date, lundi 9. J'aimerais vous dire à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Le sieur Afi Nguessan a été pris par Mossi Dramane Ouattara dans la nuit de vendredi. J'aimerais vous dire ici que n'écoutez pas ce que les gens disent. Le premier ministre, M. Afi Nguessan, dans mes informations sur Abidjan, M. Afi Nguessan a été chicoté, ligoté. Monsieur Afi Nguessan a été ligoté, électrocuté par le gouvernement de Mossi Dramane Ouattara. En ma qualité de général, je suis cette personne-là même qui doit vous emmener à Kahana. Et j'aimerais que, à travers mes propos, nous puissions nous forger le moral. Aux dernières nouvelles du ministre Afi Nguessan, j'aimerais vous dire, il était dans le coma. En ma qualité de général, là, je ne peux pas affirmer ou confirmer la mort d'Afi Nguessan. Ce qui me plaît en moi, j'ai toujours dit et je le redis. Si Afi Nguessan était décédé, moi, j'aurai la source de son décès et non ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, et si c'est réellement vrai que Afi Nguessan nous a laissé, car Ouattara a décidé d'en découdre avec Afi Nguessan, j'aimerais vous dire, ça doit vous pousser, car demain, la Côte d'Ivoire nous appelle. Chers frères et sœurs, j'ai comme l'impression que vous voulez entendre que quelqu'un est mort. Soit le ministre Afi Nguessan, qu'il soit vivant, qu'il soit décédé, nous allons jamber son corps. Et le combat doit continuer demain. Arrêtez-moi ces pleurs. J'aimerais vous dire, arrêtez-moi ces pleurs. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Je vous ai dit, aux dernières nouvelles, le sieur Afi Nguessan a succombé face à que Ouattara a électrocuté
Les éléments de Ouattara ont chicoté Afingessa, l'ont électrocuté. Le sieur Afingessa a piqué un truc, il était dans le coma. C'est la nouvelle que j'ai. Je ne peux pas vous confirmer le décès d'Afingessa sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, si le sieur Afingessa est décédé, j'ose croire que notre ancien premier ministre a une famille biologique. Même si Ouattara pense cacher le décès de ce monsieur. S'il vous plaît, même si vous voyez des vidéos de maintenant ou bien de temps, calmez-vous. Calmez-vous. Calmons-nous. Nous avons notre histoire écrite demain. Voilà pourquoi je me tiens devant vous ici. Depuis ma position au Ghana. Est-ce que vous avez compris? Calmez-vous. Calmez-vous. C'est fait que nous autres. Moi, le général, là, je ne suis pas pressé ou bien je ne m'empresse pas pour dire n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi parce que je me rappelle. Vous savez, nous sommes régis par la parole. C'est la même parole là qui permet qu'on puisse respecter un homme. Vous avez vu hier. Vous avez vu hier un menteur sur les réseaux sociaux à la personne de Johnny Pacheco qui a crié sur toute la toile ici que la première dame, Simone Yves Gbagbo, est décédée. Que son corps se trouvait au Maroc. Je n'aimerais pas vous dire des choses et ma voix ne va plus être... est-ce que vous comprenez? Ma voix ne va plus être ça. S'il vous plaît. La lutte continue. La lutte doit continuer. Comme le prophète Koudouran Gbagbo l'a dit, si je tombe, enjambe mon corps et le combat continue. Si c'est vrai, si c'est avéré, qu'Afingessa ne soit pas là, ça doit vous booster. Je vous ai dit, chers frères et sœurs, nous avons une lutte des mains. Nous avons perdu des grands hommes ici. Si vous voulez, prenez ça dans vos comtesse, qu'Afingessa soit décédé. Mais cela doit vous galvaniser. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hey, nous allons pleurer nos morts tôt ou tard. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire n'a pas fini de faire son deuil. Depuis 2010, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore fini de faire nos deuils. Nous sommes en deuil depuis belle lurette. J'aimerais vous dire, en ma qualité de général, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous voulez que demain, on puisse aller dégager Ouattara par tous les moyens, voilà ce qui doit vous réunir ce soir avec moi. Est-ce que vous comprenez? Aux dernières nouvelles, ce que je vous dis là, c'est ça, on ne veut pas venir vous donner du n'importe quoi. Il faudrait qu'on vous dise ce qui... Aux dernières nouvelles, Afi était dans le coma. Donc, si Afi est dans le coma, c'est vrai, c'est grave. Il peut se réveiller. Il peut être vivant. Donc, calmez-vous. N'écoutez pas les gens qui vont me dire que non, Afi est décédé. Même si Afi décédait. Hé! Vous avez quel problème? Je vous dis, la lutte continue. Vous me parlez de quoi? Hein? On vous dit, la lutte continue. Vous me parlez de quoi? La lutte doit continuer. Nous avons un objectif commun, chers frères et sœurs. Nous devons impérativement être demain dans les rues. C'est ce qu'on vous parle aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que non, c'est en train de se sortir, c'est en train de se sortir ici. Calmez-vous. 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 Je ne sais pas, il m'envoie une vidéo ici, il va vous montrer. Je ne sais pas. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox? C'est de l'intox? D'accord. Donc, vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox? Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je ne me porte bien. Non, je vous écoute alors. Non, je. Tiens? Il me porte bien. C'est l'intox. Disons, je ne suis pas décédé.
Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? Oui, c'est le 8. Ouais, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décidé. Je ne porte rien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? Oui, bien reçu. Non, ne dis pas de non. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, voilà, merci beaucoup. Ok, voilà, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Donc, je voulais rassurer, rassurer. Je voulais vraiment rassurer mon épouse. D'accord. Il me porte bien quelle morale. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous aimez trop les choses. On vous a dit calmez-vous en un objectif. Vous êtes déjà roulé comme ça. Vous êtes parti écouter les gens. La fille est décédée. La fille est quelqu'un. La fille a dit que. Ah! Hé! Si la fille est décédée là, ils vont vous dire. Vous avez quel problème? Hein? Si c'est affaire de prison là, il peut être en prison. Mais comme ils veulent qu'aujourd'hui, la fille soit bien, c'est comme le ministre Charles Blegoudé. Je vous ai dit, ce qui s'est passé en 2010, là, c'est la même chose qui s'est passé en 2020. Blegoudé, là, quand on le présentait à tout le monde, là, on dit, hé, hey, le ministre Blegoudé, il mange bien. Il est là, voilà comment on le traite. Il lit le journal. Là, c'était la face qu'on devait présenter au monde. Et puis, il y a ce qu'on appelle, là, hein, la partie visible, ou bien invisible de l'ASBL, de l'ASBEC du moins. Vous voyez un peu, hein? Il y a la partie visible. Et voilà, vous ne comprenez rien de la politique. Et le combat continue. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux pousser? Si cela, hein, cela ne peut pas être un mot. J'ai dit, calmons-nous. Si la fille est décédée, vous allez voir. Il a une famille, non? Ça, c'est un montage. En tout cas, moi, Choco Atamira, j'ai dit pour l'instant. Ce que j'avais... Écoutez un peu ce que les gens disent. C'est très important. Hein? Écoutez un peu ce que les gens disent. Je vous dis, calmez-vous. Vous aimez trop écouter les bêtises. Hein? Vous aimez trop écouter les bêtises. Hein? Quand vous écoutez une vidéo qui ment là, on ne dit pas la date. On dit, il dit aujourd'hui dimanche 8. Novembre 2020. Peut-être, excusez-moi, en tant qu'un analyste, peut-être cette vidéo est faite depuis telle heure, parce que je vois le truc qui est tout, je ne sais pas. Donc, calmons-nous, si la fille est décédée, la fille n'est pas décédée. Même le grand chef, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, il dit, si je tombe, enjambez mon corps et le combat continue. Si la fille, peut-être, péjoratif, serait décédée, moi, Choco Atamira, je dois envoyer les Ivoiriens hein, à Kahana. Celui qui tombe, de la même manière que nous avons perdu des frères d'âme sur le terrain, de la même manière que le président Koudou Laurent Gbagbo, de la même manière que le président Koudou Laurent Gbagbo a perdu le Paul Antoine Bombo-Abré, a perdu le Kopelema. Beaucoup de ses amis, ses frères d'âme, on n'a pas relâché le combat. Le combat continue. Le président pleure toujours ses amis. Le président m'a même pleuré, même sa mère. Le président pleure ses soeurs. C'est pour vous dire, chers frères et soeurs, on a une vision. Demain, c'est ce qui nous intéresse. Hein? Vous ne voulez pas quoi? Attendez, vous allez voir. Ils vont le tuer après, on va le tuer après. Bon, nous, on ne sait pas. On n'a pas pu. Laissez-moi faire direct là. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est quand vous avez appris. Voilà, c'est à vous d'ici.
D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit. Comment ça dit? De tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Ouais, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Non, je vous écoute, allez-y. Non, tiens. Quand je lis cette vidéo, c'est pas la vidéo là qui tue, mais je dois analyser pour vous donner. Quand je lis cette vidéo, ça prouve que le sieur Afin Guessa a été ou bien il est torturé. Juste en telle enseigne qu'on permet même à Afin Guessa de pouvoir parler. Parce qu'un homme te dit que non, je ne suis pas. Monsieur parler, il va parler, il va te dire quoi? Il va te dire quoi? Hein? Les gens mentent beaucoup pour avoir de la visibilité. On vous a dit ça ici. Je vois des gens qui sont faire funérailles. On dit attendez. La bouche autorisée arrive. Vous êtes pressé. Vous partez écouter du n'importe quoi. Maintenant, vous venez ici. Calmez-vous. Qu'il soit vivant, gloire à Dieu. Qu'il soit mort, ainsi l'Éternel a dit. On enjambe son corps pour faire le combat. Aïe. Afin que ça est séquestré, ça veut dire que là où il est, la tête de vous parler, vous voyez un blanc. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Ouais, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Non, je vous écoute, allez-y. Non, tiens. La preuve en est que M. Afin Guessa ne voulait même pas parler. Hein? Quand ils ont entendu, ils sont embrouillés. Il sait, lui, là où il est là, on dit, il est séquestré. Il dit, non, on dit, parler. Toi, tu vas obliger Afin Guessa de parler. Non, ça va, ça veut dire beaucoup de choses. Lisez entre les lignes. Pourquoi vous êtes comme ça même? Hein? Lisez entre les lignes. J'aime pas les Ivoiriens qui savent pas lire entre les lignes. Même s'il était décédé. Attendez, j'enlève mes lunettes. Même si Afin Guessa était décédé. Vous avez quel problème? On a un combat à mener. On va être là en train de pleurer le mort. Hein? On va être là, c'est ça qui va nous décourager. C'est ce qui va nous décourager. Cette vidéo-là, si vous voulez vous croire, vous ne croyez pas. Non. C'est la stratégie, merci bien Moro. C'est la stratégie du RHDP. Ils pensent qu'ils vont venir nous dire que l'autre est mort et puis nous, ça nous... Nous, on est en tas de mains. Ne stressez pas. Levez-vous. Vous avez décidé de vous donner une date. Le 9 lundi, là. On va voir clair dans ce que vous voulez faire. Moi, j'ai les astuces ici pour vous dire comment faire demain. Comment faire demain. C'est ce qui m'amène à vous ici. Vous avez quel problème? Quel est votre problème? Hein? Quel est votre problème? Oh, vous aimez trop ça. Vous voulez décourager les gens de ne pas sortir demain, quoi. Hein? Vous voulez décourager les gens de ne pas sortir. Afi est mort. Afi est vivant. Demain, sortons. Je vais vous donner les recettes de demain. C'est à cause de ça, je vous ai dit que ici, là, ce n'est pas pour venir nous faire voir un fier comme ça et puis devant venir dire non. Désolé. Je ne suis pas dedans. C'est des choses. Je n'ai pas dit c'est les réseaux sociaux de dire ça où. Non, ce que je vous ai donné, ce que je vous donne demain, là, les recettes là. Les recettes que je vais vous donner là. Hein? Vous allez prendre ça pour parer. Pour qu'on appelle, on dit parer, c'est se protéger. Dans le bon français, pour nous qui avons fait complètement le karaté, parer, c'est se protéger. Hein? C'est de bloquer. Donc, les astuces que je vais vous donner demain, là, c'est par rapport à demain. Quand ils vont lancer les gaz lacrymogènes, comment nous devons faire toutes les forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui qui ont été radiées sous les Ouattara depuis 2010. M'ont donné la confirmation à partir de 17h, mon général. Nous serons dans la marche. Ça m'a rassuré. Et si vous êtes là, c'est normal. La Côte d'Ivoire vous appelle. Le pays vous appelle.
Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Demain, ils seront là avec vous pour que nous partions hein, là où besoin se fait sentir. Demain, qu'est-ce que nous devons faire? Demain, non, mais c'est vrai, les gens pensent que c'est de l'amusement. Celui qui a joué. Demain, là. Les Ivoiriens, même, c'est pas la peine. Laissez faire les bénédictions, là. Bénédictions, vous allez me bénir, monsieur Kwasi. Vous allez me bénir jusqu'à... Mais je vous dis, demain, là, on n'a qu'à aller en chasser Ouattara. C'est ça qui m'intéresse. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Dans ces affaires, c'est un mot là. Dans ça, vous serez obligé de dire, ah, affaires, c'est un mot, on ne marche pas. Celui-là même qui... Celui-là même qu'on aime là même là. Il dit, hé, hey, si je ne suis pas là, là, enterrez mon corps et le combat continue. Hein? Attends, il va te bloquer. En taper, attends, je vais te bloquer. Si tu ne parles pas, si tu parles trop, tu n'aimes pas ma manière, dégage. Merci bien. Donc, chers frères et sœurs, demain, qu'est-ce que nous devons faire? Demain, sortez avec des serviettes mouillées. Demain, sortez avec des serviettes mouillées. De l'eau à la pluie. La serviette que vous allez prendre demain, là, il faudrait qu'elle puisse enrouler vos narines. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand vous prenez la serviette demain, c'est comme ça. Juste en derrière pour mais elle doit être mouillée. Quand on lance les gaz lacrymogènes, parce que demain, ils seront en tas, je vous le dis. Mes amis sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Ils disent demain, là, ils vont beaucoup vous gazer. Parce que vous savez que c'est une marche. On n'a pas demandé... Qui doit venir à la marche, mais on n'a pas demandé permission. C'est une marche éclatée. Donc, demain, là, ils vont nous gazer. Demain, là, ils disent, Lagui Shérif, dans un direct, Lagui Shérif dit que les microbes, là, seront au rendez-vous pour venir nous attaquer. Que les microbes, là, doivent nous empêcher de marcher. Donc, eux vont envoyer des gens pour nous contrer. Ivoirais, mes soeurs, Ivoirais, mes frères, demain, quand vous sortez, sachez sortir. C'est le français, hein? Si vous sortez demain, là, sachez sortir un microbe. La ministre de Ouattara, qui va se tenir devant vous demain, avec des machettes, riposter sur tous les plans. Écoutez-moi très bien. Je dis, je ne suis pas ce genre, je salue mon père ici, il est là, il va se reconnaître. Voilà, je salue mon fils Valentin depuis les États-Unis. Voilà. J'aimerais vous dire, si vous sortez demain, il faudrait que si on vous attaque, attaquez, vous allez sortir les mains nues pour défendre l'intérêt. Parce que je vous ai dit, chers frères et sœurs, la patrie se protège. Nous avons pour mission de défendre la patrie ivoirienne. Et c'est ce qui va nous emmener demain dehors. Pour ne pas entendre aujourd'hui, hein, ils ont mis telle personne, il est mort. Là, il a fait, là, il est mort. Il n'est pas... Ça là, hé, ça doit s'arrêter demain aussi. Même si c'est sur 2 jours, 3 jours, nous devons y arriver. Nous devons impérativement, chers frères et sœurs, demain là, tu m'as mordu, je prends tes dents pour te mordre. Demain là, tu m'as piqué, j'ai appris ce que j'ai là pour te piquer. Parce qu'ils nous ont trop piqué, ils nous ont fait trop du mal. Nous considérons que, après 1000 réflexions, vous avez réfléchi, vous avez donné des dates, le 9. De la même manière, vous allez sortir là. S'il vous plaît, sachez sortir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mentir. Il y a longtemps, le RDR ment. Il y a longtemps, le RDR de palais président. Moussi Dramane Ouattara, celui-là même qui est venu avec un suffrage, d'après lui-même, il a été élu par les Ivoiriens de 94,37%. Sachant pertinemment que nous ne reconnaissons pas cette élection présidentielle-là avec beaucoup de tricheries où il y avait des remplissages de voix. On n'est pas bêtes. Je vous ai dit, demain on ne sort pas pour Bédier. Demain on ne sort pas pour Gbagbo. Demain on ne sort pas pour Blé Goudé.
on sort pour la patrie. Et la patrie a pour mission d'être protégée. Hein? Non, laissez, écoutez, s'il vous plaît. Hein? Lorient, laissez les microbes. Vous savez, en toute chose, pulvérisez-les, laissez les microbes. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Hein? Laissez les microbes. Laissez les microbes. Allons-y doucement, nous allons y arriver. Voilà. Donc, comme je disais, attendez même, merci. Monsieur Marcel Tano, faut payer mon bio. Si tu payes mon bio, ici tu es au Ghana, paye mon bio. Tu payes mon bio ici là. Donc, c'est ça. C'est ça le bas blesse. Voilà. C'est ça demain. Vous êtes en train de nous parler, Coco. Je fais fin. Arrêtez-moi ça. Hein. Je vous ai dit demain. Vous prenez serviette. Je vais vous montrer. Mouillée. Une serviette mouillée. Vous mettez, vous attachez ça. Voilà. Vous mettez l'eau. Vous avez de l'eau. Vous attachez ça ici. Hein, sur votre nez. Et puis vous attachez ça bien. Quand ils vont lancer le truc là, ils vont lancer gaz lacrymogène là. Vous pouvez traverser. Vous pouvez être dedans, mais ça ne va rien vous faire. Vous faites retour à l'envoyeur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Demain là, vous avez décidé de sortir, il va rien, mes frères, il va rien, mes soeurs. En ma qualité de général, je suis venu soutenir ceux qui ont eu l'aimabilité. Vous qui êtes dans les villages, continuez toujours les barrages. Continuez toujours les barrages. Demain, nous aurons au moins plus de 2 millions d'Ivoiriens dans les rues. Pour dire non à Moïse Dramane Ouattara. Nous allons faire une démonstration de force. Demain, tout est bloqué. Celui qui pense qu'il est garçon demain, il n'a qu'à prendre son bac et il va rouler. Tout comme fait les BACA en Côte d'Ivoire sont affrétés aujourd'hui par, hein, pour complément, pour les rebelles. Est-ce que vous comprenez? Donc encore, demain, si ça ne va pas encore, vous sortez avec du sérum. Écoutez-moi bien, du sérum physiologique, ça calme la haine, les grenades, les trucs qu'ils vont lancer là, ça, lacrymogène là, ça calme ça. Je vous donne les recettes de demain. Voilà, ceux qui pensent que non, les microbes, ça va beaucoup. Mon billet d'avion coûte 1900 euros. Payez mon billet d'avion. Je vous donne mon compte bancaire en direct. Je m'appelle, mon nom à l'état civil, c'est M. Blé Joël. Blé Gbagbo Joël. Donc, si vous voulez envoyer, vous envoyez, vous donnez mon compte et puis vous envoyez. Vous mettez NL. NL, ça veut dire N et puis L. Ça veut dire, je vais vous donner mon compte. Vous allez mettre l'argent là-bas et puis vous allez voir ça en bas, venir à Abidjan. Imbécile que vous êtes. Donc, comme je vous dis, chers frères et sœurs, donc, le sérum. Le sérum là, physiologique là, ça coupe le gaz. Apprêtez-vous en sortant demain. Parce que les gens disent, ils vont venir vous attaquer. C'est pas moi. C'est un gars qui est vilain. Quand tu es laid, quand tu es vilain, comme Lagi Shérif, c'est Lagi Shérif qui dit, il appelle les gens de RDR à sortir massivement dans les rues pour pouvoir empêcher ou même de contrecarrer cette marche. Donc, dans la main que vous sortez demain, prenez vos précautions. Je remercie ici les jeunes de Daoukro qui avaient intercepté ici, hein, 4 colonnes de véhicules en destination de Daoukro. Ici, je tenais à vous féliciter. Je tenais à vous dire merci pour votre bravoure. Merci d'avoir barré les routes. Et les routes,
jusqu'à ce que le blocus se lève. À partir de ce soir, les routes sont toujours barrées. Demain, nous entrons dans une phase qui n'a pas de nom jusqu'à ce que Ouattara tombe d'une manière ou autre. Et j'aimerais vous dire, demain aussi, vous attaquez toutes les résidences. Je vais vous donner les résidences à attaquer. Toutes les résidences des cas du RDR, vous les attaquez aussi. Je vais vous donner les différentes maisons. Hein, où Kandia Camara habite au Vallon, elle a fui d'au plus là-bas. Mais sa maison-là, quand vous arrivez là-bas, vous brûlez tout. Écoutez-moi très bien. Parce que je pense que si vous voulez faire des choses-là, hein, trichons un peu. Je vous donne un peu de petite tactique. Je vais vous donner les maisons des différentes personnes. Hein, tous ceux qui sont hein, à la Rivera. Moi, on dit Bevelis. À la Rivera, Bevelis. C'est là-bas Bitogo habite. Bitogo habite là-bas. Donc, si vous partez à la Rivera, même si vous voyez que c'est sécurisé, j'ai donné des potions déjà à mes petits oisins sur mon Facebook. Ils ont déjà la recette. Demain, essence dans bouteille. Avec temps, vous mettez ça. Il dit, apprêtez-vous demain. Cette petite guerre de la révolution là, nous allons la faire demain. Si vous êtes sorti et puis vous n'êtes pas couvert, vous êtes sorti et puis vous ne sortez pas, hey, ah, je vous préviens, hein, sachons sortir, sachons marcher, sachons faire nos choses demain. La preuve en est, pour seulement que le stade Félix Faure-Boigny, regardez comment, pour aller dire non, au troisième mandat de Ouattara, regardez comment Ouattara a envoyé ses chiens de garde. J'ai vu ici, soyez prêts, j'ai vu ici, nous on n'attaque pas quelqu'un demain. On va dire à Ouattara, il n'a qu'à, on s'en va libérer Bédé, il va marcher aussi. Bédé va aller marcher. Vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose. Car vous pensez que quand vous allez nous imposer quelque chose, on va s'asseoir dans l'intention de vous regarder. Vous avez menti. Ouattara, demain là, tu vas sentir un peu les Ivoiriens. Et au fur et à mesure, tu vas savoir quel parfum on arrive à mettre. Parce que j'ai comme l'impression que tu penses que la Côte d'Ivoire est ton royaume. Et je vous dis, chers frères et sœurs, vous savez pourquoi la malédiction sur la Côte d'Ivoire? La malédiction sur la Côte d'Ivoire parce que, chers frères et sœurs Ivoiriens, Ivoiriennes, un étranger est à la tête de notre patrie. Et toute révolution, toute liberté ne se négocie pas. Une liberté a un prix. Nous devons impérativement aller la chercher. Est-ce que vous comprenez? Nous devons impérativement aller chercher. Et puis nous allons déposer. En ce moment où nous sommes au Ghana ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas un problème. On marche demain. Les gens vont vous dissuader de tous les côtés. Et j'aimerais vous dire dans ce direct, les gens sont bizarres. Vous savez très bien que les gens de Ouattara, ils marchent beaucoup avec l'information. Et j'aimerais vous dire, parmi même ceux qui ont travaillé le plus coup de Rombabo, je vais revenir. Nous allons revenir sur ça lundi ou mardi. Je vais citer beaucoup de noms de traites. Ceux qui travaillent Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs. Ceux qui travaillent, je ne parle pas de vous, les gens du RDN. Voilà, je ne parle pas de vous. Allez sur le direct de Johnny Patrick ou Ben Gouza, vous n'avez pas honte. Allez sur le direct. Voilà. Allez sur le direct. Donc, comme je disais, tous ceux qui ont travaillé Laurent Gbagbo, qui sont aujourd'hui le renseignement de Ouattara. Sachez que à partir de lundi ou mardi, je mets vos cuits dehors. Parce que nous ne voulons plus prendre des épines pour mettre entre nous. Nous ne voulons plus prendre des épines pour mettre entre nous. Parce que si nous prenons des épines pour mettre entre nous, la déchirure que nous avons eue, que nous allons avoir demain, c'est nous-mêmes qui allons provoquer. Donc, tous ceux qui ont travaillé pour le coup de Rombabo, qui est traite là,
Je vois liste. Et j'aimerais vous dire, je sens un peu, j'ai le fleur, je sens un peu, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit aujourd'hui, dimanche, vous écrivez, vous gardez. Dimanche 8, à 22h15 à ma montre, j'aimerais vous dire, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Je vais venir exposer ça dans les jours à venir, entre lundi ou mardi ou mercredi. Il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Donc, soyons vigilants. Mais quand je vais exposer, vous allez comprendre qui est ce danger-là. Et pourquoi ce dangereux-là veut coûte que coûte la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, je ne serai pas long. Hier, j'ai fait un direct d'intention de vous. Demain, je veux voir. Demain, hein, je veux voir. Sortons massivement. Ivoiriens, mes soeurs, Ivoiriens, mes soeurs, mes frères. Chacun de nous fait une partition. Nous avons fait la mienne depuis l'Europe. Tout en brandissant le nom d'une personne pour dire que cet homme n'est pas un assassin, n'est pas un criminel. Son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Dans les 4 ans que nous avons eu ici, dans l'année, nous avons 4 ans. Nous avons fait ça pendant 8 ans. Et rien ne nous a arrêtés. Donc, de la manière que vous êtes déterminés, vous avez décidé de faire beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne ce courage. Que le Seigneur vous permette que demain, vous puissiez quand même dire à Ouattara, nous les Ivoiriens, trop c'est trop. Je vous ai dit et je le répète, quand un étranger dirige ton pays, c'est une malédiction. Et cette malédiction-là, nous avons bien vu ça hier. C'est-à-dire, Ouattara venait diriger la Côte d'Ivoire en tel enseigne qu'il ne veut plus d'opposants pour museler toute l'opposition ivoirienne. Mes frères et sœurs, on est ensemble, on n'est pas mélangés. Et j'aimerais vous dire, M. Afin Guessant se porte bien. Qu'il soit mort ou qu'il soit vivant ou. Si Afin Guessant était mort, on allait enjamber son corps et le combat allait continuer. Hein? Je me répète. Si Afin Guessant était mort, il n'était pas mort, ou bien il n'est pas mort, on allait enjamber son corps et le combat allait continuer. Si un grand homme, comme son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, a dit, si je tombe, enjamber mon corps et le combat continue, nous considérons que, même si Afin Guessant tombait dans les heures à venir, ou bien dans en ce moment précis, on allait enjamber le corps d'Afin Guessant et le combat allait continuer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens, chers frères et sœurs, on est à demain. On est à demain. Voilà, on est à demain. Portez-vous bien, on est ensemble. On veut voir un peu demain.
son, allez connaître ça. Rappelez-vous de la nostalgie, chers frères et sœurs. Rappelez des moments, rappelez-vous des moments. C'est ça. Ah. Allez, vrai son. Ça c'est la belle époque, les petits mots aussi là, vous connaissez ça? Vous connaissez ça là? Ah la belle époque! C'est de ça que vous parlez, vous parlez de vous connaissez dedans là. Ça vous le pays à choisir! Laissez-le fort, levez-vous! Alors! On doit marcher sur le terrain. Bene! Quand on est chaud, quand on est déjà chaud, on baisse pas les bras. Écoutez les gens qui ont cabalisé demain. Hein? Ah, c'est les couleurs pour les gens. Alors, vous connaissez ça là? Pour la fête des où venons pas la fête des où venons pas la fête des
Ouattara dans la joie qui est dans nous. Ouattara Burkinabé. Voilà, Ouattara, c'est les vieux sons de écouter pour ceux. Voilà. J'ai oublié, vous m'avez pas rappelé. Ouattara vous a fait manger la viande de bœuf. Je dois vous délivrer. Bluetooth load. J'ai oublié, je devais vous délivrer. Voilà. Je devais délivrer les Ivoiriens. Il y a jeune homme prophète, non? Voilà. Le général, moi, je suis prophète. Ivoirien, mes frères, Ivoirien, mes soeurs. Demain, vous partez marcher. Que le sang du Christ soit sur vous. En ce moment précis, Ouattara est en train de prendre des marabouts afin de marabouter les Ivoiriens. J'aimerais vous dire, tout esprit maléfique sur la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de sauver la Côte d'Ivoire et une patrie se protège. J'invoque le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Que tout esprit maléfique, en ce moment précis, en ma qualité de général, j'ai dit, ce que vous avez mangé au nom de Jésus, vous allez vomir ça demain. Moi aussi, Draman Ouattara, demain, tes marabouts qui seront là en train d'endormir les Ivoiriens, vous êtes vaincus au nom de Jésus, je vous libère. Fais-vous, car l'histoire nous appelle demain. Chers frères et sœurs, quand le micro sort, on va délivrer beaucoup. Tout esprit de malédiction, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'empoisonnement, libère, quitte la Côte d'Ivoire, esprit mauvais, c'est le moment de libérer la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, demain, vous pouvez aller 4 ou 7 ans. Je vous remercie. J'avais promis de libérer la Côte d'Ivoire. Si je ne libérais pas la Côte d'Ivoire, ce n'était pas bon. Voilà. Vous allez voir demain. Un prophète, vous allez voir demain. Voilà. C'est Ouattara, c'est Ouattara. C'est ma classique d'une comédie politique. Aujourd'hui on tue des gens qu'on veut couvrir. C'est quoi ça là? Bah quoi, tu es son peuple? Pays au secours. Oh. Yeah yeah yeah. N'André pour les gars. Eh mon cœur saigne. Ce qu'elle est là, pas beau. Recevez aujourd'hui, vous avez reçu. C'est moi, bien que j'aime Maya. Ça a quitté dans votre tête ce soir. On assiste. Vous avez un molaire. C'est quelle éducation ça là? Ouattara Kanja. C'est quoi? C'est ce qu'on constate. Et on me dit, ça pouvait m'empêcher. Ça pouvait m'empêcher.
aïe, 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 aïe. Elle se meurt, chers frères et sœurs. Voici l'eau, comment tu vois? Merci bien à tous. Tous ceux qui ont eu le courage de partager la vidéo, on ensemble. Juste booster les Ivoiriens. Hey. Aïe, 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 la force a beau régner, elle s'inclinera toujours devant l'intelligence. Merci à tous, bonne soirée. Demain, je vous regarde. Demain, la force, l'armée céleste dont je suis le général, je serai à côté de vous. Je vais vous protéger. Demain, le général lui-même, surpris de beaucoup de choses, on peut être habillé à un moment donné, on ne sait jamais. Je vous regarde. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. En ensemble.